Donc, me revoici pour la suite de ma petite vidéo sur le concours que j'ai reçu de Claudine Grèche. Donc, sa petite boîte, là, j'avais dit, je ferai un petit tuto supplémentaire. Elle est super jolie, regardez-moi ça. Comme c'est super beau. Et pour vous faire voir en détail ce qu'elle contient, parce qu'elle contient plein de choses, plein de choses. Et là, je ne pourrais plus dire que je n'ai pas de quoi travailler. Donc, je vous avais fait voir, je crois, sa petite enveloppe marbrée. Voilà. Donc, il y a le petit mot dedans qui est pour moi. Je vous avais fait voir, je crois, le petit papier qui est super joli. Donc, je vais mettre ça dans l'enveloppe. Les petites enveloppes comme ça, adorables, super belles. Voilà. Les invités sont partis, donc je fais la suite de ma vidéo. Alors, pour vous dire quand même que ben, je n'ai pas internet, une fois de plus. Là, c'est un petit renard, regardez. Ici. C'est du vintage, c'est très 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 joli. Regardez-moi ça. C'est super mignon. C'est super mignon, c'est super joli. Alors, je vais donc baisser. Je vais reculer. Et je vais peut-être mettre un. J'ai mis un papier, une feuille. Hop, noire. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer au maximum ce qu'il y a dans la boîte. Alors déjà, je ne sais pas dans quelle matière c'est fait ceci. C'est une feuille, c'est super joli. Il y en a plein la boîte, papillons, des camées. Je vais encore essayer de mettre plus près, mais je ne sais pas si je peux mettre plus près que près. Plus près que ça. Je vais vous les mettre comme ceci. Il y a des paquets cadeaux. Et tout ça, c'est fait main. Alors, je ne sais pas avec quoi elle le fait. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'elle me dise, Claudine, la matière. Petite machine à coudre. Il y a plein, 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 plein de choses. Les petits papiers cadeaux. Regardez, je vais vous les mettre comme ça. Parce qu'ils sont de couleurs différentes. Des petits papillons. Des petites plumes, regardez ça les petites plumes, des petits cœurs, des petits camées, des petites fleurs, c'est super joli, un petit miroir, je sais pas du tout comment tu fais, mais c'est génial. Alors, je suppose qu'on peut les colorer, et ça tu me le diras. Je suppose qu'on peut les coloriser. Regardez. Ah, mais moi, je sors tout. Hein. Regardez-moi ça. Comme c'est fin en plus. Je sais pas ce que c'est comme matière. Oh, c'est joli ça aussi. Regardez. De jolis petits oiseaux. Des petits ciseaux. Un miroir. J'ai un peu peur de les toucher parce que ça me semble tellement fragile. Ça me semble tout fragile, tout. C'est super joli. Les petits cœurs. Encore des petits cadeaux. Il y en a plein, plein la boîte. Plein, plein, plein la boîte. Regardez. Là, c'est un mètre ruban. Encore des petits oiseaux. Il y a de la déco. Hein. Il y a de la déco, plein de déco. Une petite bobine de fil. Un autre camé. Plein de petits cadeaux. Ça, c'est les petits cadeaux de Noël en avance. Les petits oiseaux.
Il y a même un dé à coudre. J'espère que vous voyez bien. Moi, je ne vais pas trop. Voilà, je vais rapprocher comme ça. C'est super joli. Alors, il y en a plein la boîte. Hein. Il y en a plein la boîte. Je vais mettre la feuille là. Hop. Je vais rechercher d'autres feuilles. Je ne veux pas, je veux rien abîmer. Je vais bien trouver des feuilles un peu sombres, vous voyez. Parce que le blanc, ça ressort mieux sur le sombre. Là, un peu marron. Alors, attendez. Je prends un peu mon temps. Là, vous voyez que c'est sur cette vidéo. Là, je vais prendre le temps. Donc, ça, c'est pas... Alors, je couperai peut-être cette partie-là parce que c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne sait pas. Voilà, ça y est. J'ai trouvé le papier que je voulais. Voilà. Je reprends une autre feuille comme ceci. Donc, je vais rester sur le noir. Hop. Je vous montre encore, hein. Encore et toujours, parce qu'il y en a tellement. Les petits nœuds, les petits oiseaux, les petites branches de houx, le petit bonhomme de neige. Ça, pour Noël, c'est super. Regardez-moi ces petits bonhommes de neige. C'est trop joli. C'est trop joli, trop joli. Oh là là! Toute la déco pour Noël. Les petits camés. Et bête a dû passer du temps pour faire tout ça. La petite botte de Noël. Les petits nounours. Regardez comme c'est mignon. C'est super joli. Des petits gâteaux, je crois. Oui, des cookies. Il y a marqué des cookies dessus. Les petits nœuds. Plein de petits nœuds, regardez. C'est adorable, adorable, adorable. Regardez-moi ça. Je vous mets tout. Sucre d'orge. Les petites feuilles. Oh, je me mets à l'envers. Les cookies. Regarde, ça donne envie de manger. Tous des petits nœuds. Moi, je suis super contente parce qu'il y a beaucoup de petites choses que je pourrais me servir sur les petites décos que je fais. C'est magnifique. Le bonhomme de pain d'épices. Donc, c'est Ninours. Je détaille tout, Claudine. Je fais tout voir. Cookies au chocolat. Ça, c'est au caramel. Ça, c'est au chocolat. Et ça, c'est à la vanille. Regardez-moi ça. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est superbe. Superbe, superbe. J'en reste sans voir le contenu qu'elle m'a mis dans cette boîte. Regardez-moi ça. Des petits chapeaux. Au crochet. C'est magnifique. Regardez-moi ça, les décos. Des petites fleurs au crochet. Regardez-moi ça. Ça fait fleurs, ça fait napperon. En même temps. J'espère que je vous les fais bien voir quand même. Donnez-moi ça. Lui mettre au ruban. En tissu. J'avais, je crois, c'est Chanel qui m'en avait envoyé un peu. Que je lui demandais où elle le trouvait parce que je ne trouvais pas.
Alors, je sais pas, peut-être que Claudine l'a entendu dans mon message. Alors, je sais pas comment tu l'as. J'arrive pas à ouvrir. J'arrive pas à ouvrir. Je crois que c'est ça, hein. Oui. Oui, regardez-moi ça, c'est joli. Le mettre ruban comme ça, en tissu, c'est excellent pour faire des créations sur justement la couture. Alors moi, ça me donne envie de faire des choses plus volumineuses que les cartes en même temps. Alors là, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait. Je vais vous montrer. Un petit ourson. Il est super réaliste. Super réaliste. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est un petit ours. Il est super réaliste. C'est adorable. C'est adorable. Alors, je vais vous montrer la suite. Claudine, elle m'a super gâtée. Au scrap bidule, je crois que c'est comme ça que vous dites. Hein. Elle m'a super gâtée. Alors, parce que ce n'est pas fini. Là, on a des boutons. Regardez-moi ça. Des boutons de vintage. Comment ils sont trop beaux. Encore des boutons. Sont super jolis. Ça me fait penser à Mélanie. Désolée à Mélanie, les boutons c'est pour moi ceux-là. Regardez, en bois, comme ça. Et là, je me dis que j'ai intérêt à trouver, avoir de l'imagination pour m'en servir. Ça, je vais le montrer après. Je vois qu'il y a encore des boutons là. Regardez-moi ça. Oh, oh là là. Regardez-moi ça. Je ne sais pas où vous trouvez vos boutons. Ils sont juste trop beaux. Trop trop beaux. C'est des horloges. J'espère que je fais bien voir. Là, c'est des petits ours. Et là, je vois. Oh, mais il y en a encore des boutons. Attendez. C'est pas fini. Regardez. De la coudre. Encore du vintage. Celui-là sur Paris. Ça, comment je vais dire, c'est presque, on a presque pas envie de parler quand on montre parce que c'est tellement joli. Je découvre plein de petites choses comme ça que moi je ne trouve pas par ici. Je suis sûre qu'on n'a pas les mêmes magasins, c'est sûr. Regardez, en bois, les petits ciseaux, des petites cages à oiseaux. Dit comme ça, j'en ai pas. De toute façon, là, tout ce qu'il y a là, moi, j'ai pas. Hein. Là, c'est tout du nouveau pour moi, parce que j'ai pas tout ça. Les papillons, toujours vintage. Tu dois avoir un magasin vintage tout près de chez toi pour avoir du vintage comme ça que moi, je ne connais pas. Un petit love. Des petits miroirs en bois. Ou cadre. Hein. Mais de très jolies photos là-dedans. Hein. Elle m'a mis des petits coins comme ça. Métalliques. Alors ça c'est pareil, hein, moi j'ai pas. Les petits coins qu'on rentre comme ça dedans, de l'intérieur comme ça, j'ai pas. Non plus.
pour les albums, c'est pas mal du tout ça. Ceci, regardez. Je pense que c'est de la déco, ça, n'est-ce pas? Regardez. Comme ils sont jolis. Je crois qu'il va quand même falloir une feuille après. Elle m'a mis des découpes. C'est des lits de coupe, ça, pour faire des petits nappes. C'est super beau. Et c'est pas fini. Alors, je vais retourner chercher une feuille. Vous faire voir la suite. Elle m'a mis, et ça j'aurais pas pensé, mais c'est super beau aussi, une petite fiole, et dedans je sais pas si on peut l'ouvrir. Faire voir, regardez, c'est des petits boutons, il y a des petites roses, il y a des petits boutons, je sais pas si vous voyez bien. Ils sont super mignons. Super mignons. Et ça, je vais faire des super créas avec ça. Je vais les remettre dedans. Voilà. Et c'est avec un petit ruban comme ça autour. C'est super joli. Alors, elle m'a mis un pot. Un petit lapin, trop chou. Des petits canards. Regardez. Pour le thème de la mer. C'est pas beau ça? Des petits canards. Alors, j'ai vu encore un petit lapin. Regardez-moi ça, les petits lapins. Un petit nounours. C'est super joli. Alors, je regarde parce que, franchement, j'étais super gâtée. Super, super gâtée par toutes. Toutes celles qui m'ont envoyé leur courrier. Alors, ça, par contre, c'est super joli. Et moi, je verrais bien ça sur une création, mais pas genre carte. Alors, je sais pas, il faut que je réfléchisse parce que là, j'ai plein d'idées qui se bousculent dans la tête avec tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Plein d'idées. Donc, il va falloir que je note. Regardez-moi ça, le petit service. Je vous montre. Regardez. Pour le stamp, stop, je sais plus dire. J'adore ces. Je sais plus dire parce que je suis tellement encore émue et bouleversée par ce que j'ai reçu. Le stamp, c'est des petites cages à oiseaux. Toutes petites cages à oiseaux. Un petit trousseau de clés. Oh non, c'est trop beau ça. Regardez les petits ciseaux. J'avais une paire comme ça, moi, dans le temps. Je ne sais pas où elle est. Je crois que c'est ma fille qui l'avait embarquée, il me semble. Regardez. Regardez-moi ça. Les petits porte-manteaux. Une deuxième paire de petits. C'est des ciseaux cigognes. Pour la broderie. Je m'en servais pour la broderie. Petite machine à coudre. J'aime bien ces petites clés comme ça. C'est génial.
Regardez. Bon, j'espère que vous voyez vraiment bien. Et c'est pas fini. Parce que j'ai encore un petit sachet. Il y a plein de belles petites choses, de jolies choses dedans. Tout en miniature comme ça. Mais je savais même pas que ça existait en miniature comme ça, si petit. Et pourtant, Dieu sait que ça fait un moment que j'en cherche. On va tout mettre là. Je vous détaille un peu. Il y a de jolies fleurs. Des petites fleurs comme ça. Je pense que c'est de la résine. Ça, j'en ai trouvé, mais pas beaucoup. Très peu. Je suis tombée dessus par hasard. Elles sont super jolies aussi. Elles sont adorables. Toutes des petites fleurs comme ça. Et moi, j'adore parce qu'il y en a des toutes petites. Regardez-moi ça. Ça pour mettre sur tes petits chapeaux. Alors, j'installe, je fais ma petite devanture. Là, c'est tous des petits cœurs comme ça, qui sont super jolis aussi. Là, c'est deux petites grenouilles. De grenouilles, oh là là, où j'en suis moi. Ces deux petites tortues, ce sont des perles. Regardez, on peut mettre sur un bracelet des petites tortues comme ça. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, ce serait dommage. Pour vous approcher un peu. Les petites découpes, les petites découpes. Oh là là, ça y est, je perds la tête. Toutes les petites bidules qu'elle m'a mises donc dans sa jolie boîte. Elle l'a superbement, je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Superbement décorée sur le thème de Noël. Elle est super jolie. Ce sont les petites boîtes de chez Action. Moi, j'en cherche là, mais j'en trouve pas. Là, en ce moment, ils sont, je crois, ils ont dû être dévalisés. Donc, ils n'en ont pas. Voilà. Je vous refais un peu voir tout ça. J'étais un peu obligée de faire une vidéo supplémentaire parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses. Donc Claudine, tu m'avais annoncé une surprise. Oui, effectivement, je comprends pourquoi le facteur, il fallait que je sois là pour signer. Donc, tes colis sont bien arrivés, les deux. Je suis super enchantée. Et franchement, tu m'as super, super, super gâtée. J'avoue que moi, je ne pourrais pas faire ça parce que je n'ai pas le... Comment je vais dire, le centième de ce qu'il y a là. Je ne l'ai pas. Maintenant je l'ai, parce que tout est là. Mais c'est vrai que n'importe comment, je vous remercierai d'une façon ou d'une autre, parce que c'est super gentil. Donc voilà, ma petite vidéo qui devait être petite fait plus de 22 minutes. Je suis désolée, mais tellement contente, tellement heureuse. Je vous fais des super gros bisous. J'espère pouvoir mettre tout ça sur le net parce que je n'ai encore une fois pas internet. Malheureusement, ça continue. On ne sait plus à quel sens se vouer pour dire que quelqu'un se déplace. Donc voilà. Et je vous remercie infiniment pour tout le concours, tous les courriers que j'ai reçus pour mon concours aujourd'hui. Donc je vais les mettre au fur et à mesure et tout sera mis en ligne. Enfin. Tant que je le pourrai le faire. Sinon, vous inquiétez pas, hein, je trouverai toujours moyen de les mettre en ligne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Je vous aime tous.